Bienvenue à Maasmechelen au Duivelsberg pour la dernière manche du championnat de Belgique 2015 de rallycross. Et on commence avec une manche en Super 1600 avec la Suzuki noire et verte de Kerry Oudebrouwer qui prend le whole shot dans cette première manche devant Thijs Heesen. Ce n'était pas le meilleur des départs pour Willem Veltman dans sa Citroën C2. On reste avec Hollandais avec Reemans qui est troisième des Van Beers qui pousse un peu Reemans vers l'extérieur et qui prend la troisième place. Est-ce que Willem Veltman peut en profiter? Non, il prend son tour joker, c'est peut-être le choix stratégique le plus intelligent, toujours de Brouwer devant Thijs Heesen, puis Dave Van Beers et Reemans. Heesen encore candidat au titre, bien il lui faut un miracle pour empêcher Davy Van den Branden de prendre son de prolonger son titre. Heesen a pris son tour joker tout comme Reemans et Dave Van Beers, mais Kerry Oudebrouwer sous la pression à gauche à droite. Passer à l'extérieur, c'est presque impossible. Il semble quand même que ces deux pilotes vont prendre le tour joker. Et c'est Oudebrouwer qui le prend. Mais Van Beers attaque fort maintenant pour essayer de creuser l'écart avec Thijs Heesen qui est derrière, tout comme Reemans. Et Oudebrouwer perd deux places. Bien qu'il essaie de faire l'extérieur à la Fiesta Rouge. Dit Van Beers. Un peu fougueux dans cette première manche. Thijs Heesen va sans doute reprendre la tête. Oui, effectivement. Et est-ce que Van Beers reste deuxième ou est-ce qu'il sera dépassé par Dennis Reemans? C'est Reemans qui prend la deuxième place. Dave Van Beers essaie de reprendre cette deuxième position. Il lui reste 3-4 virages. Ce sera impossible, je crains. Victoire de manche pour Thijs Heesen donc. Avec Dennis Reemans deuxième et en dehors de l'image, une faute pour Dave Van Beers qui sort de la route. Alles niet verlopen zoals gewenst. Tout s'est pas passé comme prévu, je crois. Non, pas vraiment. J'étais un peu trop chaud dans le dernier virage et j'ai perdu le contrôle de la voiture et je suis sorti. Et comment était ton départ? Ouais, le départ n'était pas trop bon non plus. J'avais monté un peu trop dans le tour et c'était pas comme je voulais. Manche en Super National, plus de 2 litres avec un très bon départ de Ludo Hermans dans la Ford Escort, suivi par Bosman dans la Volvo Bleu. À la 51, la BM de Ludo Trickels. Très bon départ du pilote de l'Escort et Bosman qui prend le tour joker. Une décision dernière minute, il me semblait, juste devant Ludo Trickels. Peut-être un bon choix parce qu'effectivement, après que Ludo Hermans a fait son tour joker, il perd une position et c'est Bosmans qui est en tête de cette manche. Il reste un tour à Bosmans et à Hermans. Hermans essaie de monter la pression sur le pilote de la Volvo bleu qui rate son freinage et qui glisse dans le bac. Abandon pour Bosman, il me semblait qu'il avait un peu trop de vitesse dans ce virage. Et c'est Hermans qui prend la victoire dans cette manche devant Trickels. Il y avait un problème technique apparemment sur la voiture de Bosman. Bert Bosmans, petite erreur, était sorti de la route. Oui, l'accélérateur était bloqué, donc je ne pouvais plus contrôler la voiture. Ah, c'était donc pas une erreur de pilotage? Non, c'était pas une erreur de pilotage, pas du tout. Et est-ce que tu pourras réparer pour la deuxième manche? Oui, on a essayé, mais maintenant il y a des ratés moteurs et donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Manche alors en supercar avec Jos Janssen, Ron Snoek, Marcel Ottegay, Jochen Kooks, le leader du championnat, qui prend un très mauvais départ au volant de sa Sirocco à l'intérieur, mais c'est un très bon départ pour Marcel Oettingh devant la Seat de Ron Snoek, suivi par la Ford de Jos Janssen, qui n'avait pas le meilleur départ non plus, qui ne fait pas son tour joker parce que Ron Snoek y va. Et s'il veut dépasser la Seat, c'est peut-être mieux qu'il reprend le contact avec la Skoda de Oettingh qui n'arrive pas à toucher la corde au premier virage, qui perd donc un peu de terrain. Et maintenant, plan tactique pour Jos Janssen serait de prendre son tour joker et c'est exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'il pourra sortir devant la Seat de Ron Snoek? Ron Snoek est à l'intérieur, mais Jos Janssen a un peu plus de vitesse et il garde sa deuxième position. Une position qui promet beaucoup parce que Marcel Oettingh doit bien sûr encore prendre son tour joker et n'oublie pas Jochen Kooks derrière qui a déjà pris son tour joker au début.
Joker maintenant pour Oddink. Et c'est Jos Janssen qui prend la tête de cette manche. Qui prend la deuxième place? C'est Snook devant Oddink. Ou est-ce que c'est Cox? Cox à l'extérieur de la Skoda. Mais c'est toujours Oddink en troisième position. Très mauvaise manche donc pour le leader du championnat, pour Jochen Cox, qui n'a jamais su récupérer le temps qu'il a perdu au départ. Victoire de manche donc pour Janssen devant Snook et Oddink. Goede start voor u, Jos. Jos, un bon départ de week-end pour toi. Oui, oui, la première manche, ça allait. On n'avait pas un bon départ parce qu'on essaie d'améliorer nos départs. Ce n'est pas réussi ici, mais on a bien récupéré dans la manche. Et pour Jochen Cook, c'était un très mauvais départ aussi. Jochen, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Oui, j'avais pas assez de tours. Un mauvais pari, quoi. Et puis ils sont partis et il faut essayer de les rattraper. C'était pas possible. Mais non, je croyais de prendre un tour joker assez vite, mais les autres ont fait ça aussi. Donc tout ce que je pouvais faire, c'est de suivre les autres. Une manche en Supernational en dessous de 2 litres avec la 35, l'Opel Corsa de Mick Altman qui prend le meilleur départ devant la Corolla de Davy Van Ratingen et Ivo Van den Brandt dans la Mitsubishi Colt. Toujours Van Alken en tête devant la Corolla et Ivo Van den Brandt dans la Mitsubishi qui n'avait pas eu un bon départ mais qui ici essaie de passer Van Alken qui laisse la porte un peu ouverte et c'est tout ce qu'il fallait pour Ivo Van den Brandt et il y a contact avec la pauvre Corsa de Van Alken qui sort de la route et qui va encore perdre 2 positions. Oui, il y a Bloks qui passe, il y a Van Ratingen qui passe. C'est pas la meilleure des manches pour Van Alken qui doit encore prendre son tour joker aussi. Donc il a perdu beaucoup de terrain. Mais devant, c'est Ivo Van den Brandt dans la Mitsubishi Colt. Il semble être en route pour une victoire de manche, mais il a quand même perdu un peu de temps dans les tours derrière Van Alken et peut-être avec cette manœuvre, le dépassement aussi. Ici, il reste devant Bloks quand même et Van Ratingen. Mais dans les autres manches, ça allait nettement plus vite. Encore une petite erreur là pour Van den Brandt. Qui perd un peu de terrain, mais qui garde la tête du peloton et qui croise la ligne en première place. Mais qui fera que le 8e temps dans cette manche. Et puis, encore une deuxième manche en Supernational plus de litres avec au milieu, dans la voiture numéro 10, la Volvo 242 blanche, la voiture de Philippe Bénus, mais elle est conduite par Michael de Kirchmacher qui fait son grand retour après 2 ans d'absence. Il prend le whole shot dans cette manche devant le leader du championnat, devant Steve Wolders, qui est suivi par David Leisen avec la BM numéro 7. Bon départ donc pour de Kirchmacher. Wolders qui le suit pour le moment. Il me donne l'air d'être quand même un poil plus vite que la Volvo. Ça voudrait bien dire qu'il va bientôt prendre son tour joker et essayer de dépasser la Volvo au drapeau suédois par un tour joker. Pas de joker pour de Kirchmacher, mais bien pour Wolders et aussi pour Davy Leisen. Bon choix tactique. Ça va s'avérer dans les tours qui suivent. Aussi de Kirchmacher, plein d'expérience bien sûr au plus haut niveau. Mais ici, il doit quand même reconnaître son maître dans Steve Wolders qui le dépasse quand il prend son tour joker. Est-ce qu'il va rester devant Davy Leisen? De justesse, il reste juste devant la BMW. Steve Wolders qui est maintenant en pleine attaque, qui laisse des traces sur le béton de Mats Mikkelsen. Mais il va quand même devoir se contenter du troisième temps dans cette manche. Il gagne la manche devant de Kirchmacher et Leisen. Kirchmacher qui est assez content de ses performances, bien qu'il reconnaît qu'il lui faut quand même un peu d'effort pour rester devant. Michael, de retour après une longue absence. Oui, quand même, juste pour cette course, je voudrais bien faire la dernière de la saison. Donc j'ai appelé Philippe pour voir ce qui était possible et il m'a donné le feu vert et voilà. Nous voilà. Bien sûr, je note que tout le monde a bien évolué, donc je dois vraiment rouler aux limites pour rester devant. Et bien sûr, ça fait quand même 2 ans que j'ai plus roulé.
fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Maasmechelen pour les finales de la dernière manche du championnat de Belgique 2015 de rallycross. Et on est dans les RST Cup avec Marnik Tonnet dans la voiture bleue claire qui est à l'intérieur de la pole position et qui prend le meilleur départ devant Claudia Smits dans la bleue foncée qui est un peu poussée par Pim Garvelink. Mais Claudia Smits reste bien deuxième. Pim Garvelink garde la troisième position. Mais tout ce manœuvre de Smits et Van Garvelink ont permis de tonner, de un peu creuser l'écart. Et Smits fait de son mieux de reprendre le sillage de la voiture de Tonnet. Le Tonnet qui rate un peu la corde et Smits en profite pour prendre l'intérieur et prendre la tête de la course. Très belle manœuvre de Claudia Smits. Et elle est nettement plus vite que Tonnet parce qu'elle a déjà quelques dizaines de mètres d'avance maintenant sur Tonnet, qui est sous la menace de Pim Garvelink maintenant dans la voiture rouge. Est-ce que Claudia Smits va gagner cette dernière manche du championnat? Il me semble bien, dernier virage pour Claudia Smits qui gagne cette finale devant Marnik Tonnet et Pim Garvelink. Très beau résultat aussi pour Paula van der Meyden dans la voiture numéro 6. Donc de Smits devant Tonnet, puis Garvelink 3e, Jordi Van Weert 4e et Paula van der Meyden 5e position. Et puis des finales qui vont décider les titres. On est au Super National plus 2 litres avec le leader du championnat Steven Stessens dans sa Vauxhall Nova à l'extérieur. Et il prend aussi le meilleur départ, très mauvais départ du Poleman qui est encore toussé et qui sort Yves Thielen qui est en pole pour cette finale. Un léger contact et il perd le contrôle de la voiture et il sort dans le premier virage. Steven Stessens donc en tête avec un très grand avance sur Martin Van Hove dans la BMW verte. Avec Ivo Van den Brandt dans la Mitsubishi en troisième position. Yves Thielen qui essaie encore de continuer mais sa saxo n'accélère plus. Et puis il y a le débat pour la troisième place entre Robert Gorizon, la Corsa, Ivo Van den Brandt qui prend une position sur Chris Bamuntz dans la Peugeot 206 noir et bleu. Et Van den Brandt qui fait l'extérieur maintenant à Robert Goriz. Bien que le pilote de la Corsa essaye de le garder derrière, mais non, c'est Van den Brandt qui est troisième. Un beau duel pour la quatrième position maintenant avec Van den Brandt qui essaie de rattraper Stessens et Van Hove. Mais c'est Goris et Bamuntz qui se disputent pour la quatrième position. Pour le moment, c'est toujours la Corsa de Goris qui est devant. Bamuntz essaie de prendre un peu de vitesse pour prendre l'extérieur. Couchette et tonneau même. Tonneau pour Chris Bamuntz. Sorti dans le dernier virage. Drapeau rouge, oui, drapeau rouge, c'est bien compréhensible. Fin de cette finale en Super National en dessous de 2 litres. Pas de blessure pour Chris Bamuntz. Et la finale ne repartirait pas. C'est Steven Stessens qui est déclaré vainqueur et aussi le nouveau champion 2015 dans la catégorie Super National en dessous de 2 litres. Stessens gagne donc devant Van Hove, Van den Brandt, Goris et Bloks. Stessens très content, bien sûr. Champion 2015. Champion 2015, je dois être content. Oui, je suis très content. C'était un jour difficile, une année difficile même. Mais je suis très content qu'on a un bon résultat. Et dernière course, c'est aussi un succès. Oui, c'était un très début très difficile. On a touché le mur, 16e temps, mais après, on s'est amélioré. Et la finale avec trois départs, c'était très dur. Mais voilà, le résultat, je suis très content. Steven Stessens, qui est aussi bon au volant que... en ouvrant des bouteilles de champagne. Bien que. Et puis la finale en Super 1600 avec Dennis Riemans à l'intérieur. Il me semble qu'il était parti un poil trop vite, mais il peut continuer. Tess Seasons à la Fiesta jaune est tourné. Très mauvaise nouvelle pour le deuxième du championnat. Mais c'était un faux départ, effectivement, pour Riemans. Et vu que c'était son deuxième, il est disqualifié de la finale. Un troisième départ donc sans Riemans avec Hazen et Van den Branden
sur la première ligne. Et c'est Van den Branden qui est déjà sûr de prolonger son titre après avoir terminé les deux premières manches de cette manche. C'est le dernier tour de cette cinquième manche du championnat. Dave Van Beers, quatrième position derrière la Peugeot de Bart Stoughton. Et devant, c'est toujours la Fiesta de Thijs Hazen qui mène la danse. Devant la DS3 de Davy Van den Branden. Van den Branden qui voudrait bien gagner, bien sûr, cette dernière manche aussi. Dave Van Beers en troisième position maintenant. Il a passé Bart Stoughton, mais il doit encore effectuer son tour joker. Van Beers, ce qu'il fait maintenant. Où est la Peugeot de Stoughton? Elle est là. Elle passe devant. Et aussi Pascal Romans dans la Ford Fiesta. Mais Dave Van Beers voit un tout petit trou où il peut insérer sa Renault Clio. Il reprend la quatrième place, mais ça sera difficile de reprendre la troisième à Bart Stoughton. Entre-temps, Thijs Hazen a une bonne avance sur Davy Van den Branden qui a déjà pris son tour joker. Hazen va encore le prendre. C'est ce qui va décider cette dernière finale de 2015. Le voilà dans son tour joker, Thijs Hazen. La DS3 de Van den Branden est assez loin. Normalement, ça devrait aller pour Hazen. Bien que nous, Van den Branden qui sort à côté de la Fiesta, mais la Fiesta porte un peu plus de vitesse et il est à l'intérieur maintenant. Thijs Hazen garde la première place. Il ne reste que trois virages et Hazen gagne la dernière finale de 2015 devant le nouveau champion, Davy Van den Branden. Bart Stoughton est troisième avec Dave Van Beers quatrième et la Suzuki de Gerrio de Brouwer en cinquième position. Et Davy Van den Branden, bien sûr, très content avec son titre de champion national. Victoire donc pour Hazen devant Van den Branden, Stoughton 3e, Van Beers 4e et De Brouwer 5e. Et Davy Van den Branden a prolongé son titre. Champion 2015. Champion 2015, tu dois être content. Oui, oui, super. On a bien travaillé cette année. Et si je peux donner ici comme récompense à moi et à mon team, c'est super. Ouais. Prolonger mon titre, c'était l'ambition et c'est ce qu'on a fait. Et la dernière course. Oui, voilà, on voudrait d'abord s'assurer du titre en terminant les deux manches. Et après, on a attaqué pour essayer de prendre la victoire. Dans la finale, j'ai donné tout et Thijs aussi, il a gagné. C'est le vainqueur mérité. Mais on est deuxième et on est très content. Super, zeker tevreden. Champagne après pour Davy Van den Branden. Il a nettement un peu plus de difficultés pour ouvrir cette bouteille, bien que arrosé. Thijs Hazen, deuxième au championnat. Ça lui va encore. Et puis la finale en Super National, plus de 2 litres avec Steve Volders comme leader de championnat. Éric Maris à l'intérieur et Danny de Beukelaar dans la Corsa qui est passé par la Volvo de Michael de Keersmaeker qui vient de derrière. Mais contact entre de Beukelaar et de Keersmaeker et aussi entre Volders et Maris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 voitures bloquées au 3e virage et c'est Davy Leijzen qui prend la tête devant Mandikas. Encore on board de Ludo Hermans, voici la Corsa. Il est bloqué aussi Hermans et un peu après la Volvo et la Ford de Steve Volders. Maris n'est pas content et qui essaie de prendre un peu de terrain. Qui attaque Danny de Beukelaar au premier virage. Il y a contact avec la Corsa. Tonneau pour Danny de Beukelaar. 3 tonneaux même. Ça doit être un drapeau rouge, bien sûr. Finale arrêtée. Et on va prendre un deuxième départ sans de Beukelaar, sans Maris. Et c'est Steve Volders qui prend la tête maintenant devant Michael de Keersmaeker et Ludo Hermans dans l'escorte. Un départ nettement plus calme cette fois-ci. Hermans derrière l'escorte et la Volvo. Et derrière Hermans, il y a la BMW de Davy Leijzen. Joker entre-temps pour Mandikas dans sa BMW compacte. Volvers une suppression par de Keersmaeker. Hermans qui perd un peu de terrain. Volders s'en va, de Keersmaeker aussi un peu sur les deux autres parce qu'Hermans et Leijzen se battent comme des diables, mais c'est pas la meilleure façon d'aller vite. Un de ces deux pilotes va sans doute prendre un tour joker, mais fais attention quand même à Mandikas qui est juste derrière et qui a déjà pris son tour joker. C'est Davy Leijzen qui entre dans le tour joker qui est déjà passé par Mandikas.
Et où est Björn Barkov dans l'Apollo devant Leysen maintenant. La preuve. Et puis victoire pour Steve Volders qui est aussi le nouveau champion. Michael de Kirchmacher termine deuxième juste devant Mandikas qui termine troisième. Ludo Hermans quatrième. Et l'Apollo de Barkov cinquième. Titre tombe pour Steve Volders qui gagne aussi cette dernière finale devant de Kirchmacher Kasse. Ludo Hermans quatrième et l'Allemand Barkov cinquième. Beau titre donc pour Volders. Je hebt de mooiste auto, je bent de laatste. La plus belle voiture, tu gagnes la dernière course, tu es champion. Fantastisch. Oui, c'est fantastique. Oui, c'est très fantastique. Beter eindigen dit jaar. Tu ne peux pas finir. Nee, bon, d'une plus belle façon. Non, on est aussi champion d'Europe. Et voilà, ici, on fait nos efforts des dernières années portent ses fruits maintenant. Et je veux remercier mon équipe parce que sans eux, ce n'était pas possible. Il nous reste une finale en supercar avec Jos Janssen, Jochen Kooks et Ron Snoek et Marcel Ottink sur la deuxième ligne. Départ, c'est un très bon départ pour Ron Snoek dans la Seat verte, mais aussi pour Kooks. Mais Janssen garde l'intérieur et garde la première place. Janssen qui a fait des meilleurs temps dans les trois manches. Maintenant mis sous pression par Jochen Kooks. Jochen Kooks qui n'a plus été champion de Belgique depuis 2009. Il voudrait bien un autre titre. Et il voudrait bien aussi gagner cette dernière manche à Maasmechelen. Creuse l'écart, hein, Janssen. Et petite erreur pour Kooks qui prend son tour joker en même temps que Ron Snoek. Est-ce qu'ils vont sortir devant Marcel Ottink? C'est le cas. C'est le cas, bien que Ottink essaye de mettre sa Skoda à côté de Snoek, mais il ne réussit pas. Donc il ne reste que Jos Janssen pour prendre son tour joker, mais vu qu'il a la vitesse ce week-end et qu'il a le chemin libre sans pression des autres, normalement ça ne devrait pas poser de problème pour l'imprimeur. Bonne ligne dans le tour joker. La Ford 54. Sort avec un bon avantage sur Jochen Kooks. Et c'est la troisième victoire de la saison pour Jos Janssen. Mais les titres de champion de Belgique et pour Jochen Kooks qui termine deuxième ici. Ron Snoek troisième et Marcel Ottink quatrième. Belle victoire donc pour Janssen. Janssen devant Kooks, Snoek troisième. Et Ottink quatrième dans la dernière finale de 2015. Podium donc du champion Jochen Kooks qui est champion devant Janssen et Ottink. Jos, perfecte afsluiting. Jos, belle fin de la saison. Oui, je crois aussi. On a été le plus vite dans les trois manches et la finale. Oui, on est content. Et le championnat? Oui, j'ai perdu le championnat parce que Paulus m'a donné un drapeau noir à mettre. Mais on a gagné 3 des 5 courses, c'est ça qui est plus important pour nous. Pour nous, c'est belangrijker als kampioen worden. C'est la fin de la saison 2015, très spectaculaire. Rendez-vous en 2016.